Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. C'est toujours un réel plaisir de vous rencontrer encore une fois de plus pour ces réactions de ce vendredi 10 novembre 2023. Donc, nous sommes pratiquement à moins de 2 mois des élections. Je peux dire les élections qui auront lieu au mois de décembre, donc le mois prochain. Nous avions vu sur le réseau Kadima Outaki Séoul. Kadima continue à rassurer que les élections auront bel et bien lieu. Malgré des difficultés, malgré tout ceci, et moi je crois qu'il est grand temps c'est qu'on puisse croire à Kadima pour que nous ne puissions pas être pris de court. Ben, information est belée et ça a circulé que dans le sens contraire, mais Kadima continue à nous rassurer. Donc, merci donc pour cette fidélité que vous aviez manifestée. Merci pour tout ce beau monde de gens qui continuent à s'abonner sur notre chaîne. En tout cas, ça marque quelque chose qui me rassure que non, nous ne sommes pas en train de parler dans le vide. Donc, les sujets dont nous abordons ici vous intéressent. Et donc, merci en tout cas pour le support que vous connaissez de nous témoigner. Aujourd'hui, nous allons réagir sur 3 sujets. Comme vous savez, réaction grand format, c'est toujours quelque chose que nous réagissons sur les sujets qui prédominent de l'actualité. Et là, nous ne sommes pas dans le contact pro-live. Donc, ce que nous faisons comme réflexion sur les solutions. Ici, nous réagissons sur l'actualité qui est brûlante au courant de la semaine. Et réaction, nous venons souvent avec 2 ou 1 fois quand nous sentons que les sujets sont vraiment brûlants et qu'ils s'éternisent sur le réseau. Donc, quand ils font, ils prennent au courant de la semaine 3-4 jours, tout le monde en parle et vous êtes obligé de me poser comme. En fait, vous me posez souvent les questions, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense sur quoi? J'en pense, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la sortie médiatique de Katumbi. Katumbi a finalement parlé. Katumbi a lobby. Katumbi a la kisi makamunae toko sola lisolo ana. Et puis, toko réagir aussi sur Elokomoko et Oesali que Elokomoko et Sali ezopesa moi ngai na miso na mi. Donc moi ngai sur la Cour constitutionnelle. Tolobela qui en gros déjà la semaine passée, mais ça continue à prouver des choses qui sont vraiment négatives dans mon cannabis. C'est la Cour constitutionnelle. Nous allons parler un peu pourquoi est-ce qu'on a validé à partir de Seni, validé tout, Nyoso, et puis Cour constitutionnelle, et qui s'est dit non, Koutou, oh Tolobana, soyez Nyongezo. Donc nous avons 26 candidats à la présidence de la République. Que signifie cela? Est-ce que la loi a été dite? Nous allons en parler. Et finalement, nous allons parler de la chose qui préoccupe aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, il y a Christian Bosembe a lancé une idée, il y a Koloba, un débat contradictoire sur le candidat Obaza Kolingaba postulé dans la magistrature suprême. Donc, aujourd'hui, je crois au moment où nous parlons, nous faisons cette émission, Azako réunir Batupo a présenté les journalistes et a présenté plateforme il y a Badeba Wana et Kosa le Mandenge Nini où les candidats présidents de la République devront défiler na électorat na bango. C'est bon ou bien c'est mauvais? En tout cas, nous allons en parler. Alors, on va aller directement dans notre sujet. Sortie médiatique à Moïse Katumbi, le président de Ensemble pour la République. Vraiment, et Sali Tolé, Batubazela qui en outre, nous avions vu un Katumbi qui a parlé à lobby. Nabanzi que et Sala qui est. On a vu quelqu'un se déchaîner. C'est comme si Azala qui n'a belé, il n'a pas terminé. Et moi, je me suis dit, c'est ce type qui a vraiment Azana hargne mokoboe de vaincre. Donc, il a montré, ça c'est mon analyse personnelle, et on a réagi,
na mona ki intention ya ce qui brille en Katumbi pour ce pays. Je vis Katumbi un autre. En tout cas na nous na mona na ba mudu anate. Na ba interview na un mingi mingi to mona kasala ka mais je ne l'ai pas encore vu na défensive na attaque na attaque comme il a une sortie médiatique wana. À lobby, il a parlé et moi ce que je veux analyser d'abord ici, attitude d'abord naïe. Il n'attendait même pas que la question puisse terminer pour éclaircir. Azana Makambwe Bele sur la politique congolaise, sur les hommes politiques. Ça c'est ça. Donc na sortie médiatique naïe na koki ko subdivisé en go na trois parties. Donc Makambwe sécurité, Makambwa économie, na Makambwa administration et puis na Makambwa politique. Comment il a pu gérer? Il a fait pratiquement à la Kissi Batou réalité naïe finalement. Batou nenge bako c'est la kaye. Lui-même a parlé à lobby. A-t-il convaincu? Moi personnellement j'ai été convaincu encore avec cet homme qui a la volonté de faire changer les choses. Ataza na mbongo, na kolobela côté négatif, ne vous en faites pas. Parce que moi, je touche sur tous les plans. Moi, j'ai trouvé un Katumbi qui explique et puis qui se déchaîne. Abimisi biloko yo zana katia mutema na ya koloba. Mboko yo, il faut bonga. Et kobonga nenge nini? Il n'a pas parlé de comment il va faire. Il a parlé beaucoup surtout de l'histoire. Si yangona lobi awa tokota langona sur le plan, ce qu'il a fait. Na côté politique, na côté économie, malheureusement, otozo loba awa, batwebele ba comprena ka ete. On a voulu l'utiliser. C'est comme cela que moi je pense que tout royo, à Mekakina nona 2018, il n'a pas été facile que non, Aza l'a choisi. C'est ça que moi j'ai compris, yanani ya Makambwa Katumbi na sorti nae. Et j'ai trouvé un homme dynamique, un homme qui sait exactement ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui est l'essentiel. Moi, j'ai trouvé, Mbilo Konyo Soasal à Lobaki, moi, j'ai trouvé un homme dynamique, un homme, Oyo, Ayebi Place Ninyazo Linga, Memambo Kanae. Qu'est-ce qu'il veut? Namona qui sorti médiatique, on a vraiment, il a réussi, il a tapé bon. Et moi, je le félicite. Et j'aimerais encore parce que et comment qui interview on est comment qui m'coussait pendant qu'il avait beaucoup à dire et ça je le félicite. Moi je suis vraiment content pour que ba congolais ba apprendre koyé ba mutuna ba candidat na bango un type qui est à l'offensive et je crois que si on lui donne cette opportunité Congo ko regretta kate. Nous n'allons pas regretter. Mais je vais vous dire pourquoi nous n'allons pas de regretter. Ce n'est pas que Togo Peseka Mbongo, mais Mbokanabiso Mbalamo Kakaboete. Il y a aussi certaines failles. Et Zanaba Krakir, Babilo Komsusu Oyo, je pense qu'à la longue, pour expliquer Ango, pour dissiper peut-être ba doute Obatuba Okiko Zalana Ango. Surtout les gens, pour la monnaie qui va commenter à Batouébele, surtout les gens qui sont beaucoup plus dans Batouamayele, oh, bah, Pesa qui va commenter, moi je pense que ça se justifie aussi. Oh, bah, tu vas au Kikolobano, bah, Makambuka Tumbia Sala, est-ce que c'est wapi? Katanga Zaka Kanengwana, Fifi Masuka Sali beaucoup plus que Katumbi. Mais ce n'est pas la même époque. Moi, c'est ce que moi je justifie. J'ai dit que Katumbi a fait son époque. Et puis, na époque naé. Ce qui nous a manqué, c'est ça. Et ça, Babilo, Komoko, on a expliqué à Nakati Awa. Comment est-ce que ça? Comment est-ce que nous ne pouvons pas pérenniser les acquis? C'est ça qui manque à la République démocratique du Congo. Katumbi peut avoir fait quelque chose, mais il n'y a pas eu de succession. Donc, ce qui Katumbi a zaté lelo, bilo konay nyoso itazimika, donc, et kozala effacer les tableaux. Et nous ne pouvons pas nous plaindre sur ça, parce que c'est comme ça, ce qui est. Nous pouvons dire que non, à notre époque, notre maïs et zala qui n'a autant et tout ça, nous vivions très bien, bilo konabiso, tout ça. Ça, c'est le passé. Mais dans le contexte à l'élo, si on lui donne la chance, moi j'ai vu que Katumbi, il connaît ce qu'il veut de ce pays.
potomona silisa na na si je wana parce que nous sommes dans réaction zalaka moi mukuse moi j'ai été positivement surpris comment na ke Katumbi azana volonté wana il s'explique sur toutes ces questions qu'on lui a posées. Il donne toutes les réponses peut-être que batobele babande kozelate. Il a fait ce qu'il devrait faire et moi je pense que lui donner la chance peut-être est cause à la opportunité na ainsi qu'on peut approuver qui congolité na pas bateau oh bah détracteur na est ce qui tonga ba mboka oyo et je pense que solution yango wana si soit on lui donnait cette opportunité là et que to accompagné de mécanismes ya ko pérenniser les acquis que nous avons, moi je pense que le Congo pourra se souvenir encore très longtemps de Katumbi. Voilà un peu pour conclure pour ma réaction sur ce que la sortie, ce qui a été la sortie et anani ya monsieur Katumbi na. Mais je l'encourage, moi je me dis vraiment c'est un candidat valable au vu de ce qu'il a fait, au vu de ce qu'il a cherché à réunir Batou, ya koyebisa Batou toyo kana mboka o il faut tobongisa yango. Katumbi c'est un unificateur pratiquement. À l'entendre parler, ce qu'il a fait même à ba parti politique Moussousou, il a amené le preuve, personne ne doute. Et puis même Batouana Babandai Koli Lobakeno Katumbi, c'est un homme bien. La richesse qu'il a, moi je pense qu'il a essayé un peu dans le passé, surtout na Katia Lito, entre les 2011, ti à côté politique. La lutte, je pense que pour Naïe Zalaki, pour a rassembler Batou, Bakin. Regardez, il n'a pas failli. Il a montré même la bonne volonté de travailler avec Fatih. Mais il avait donné un cahier de charges. Bien sûr, c'est comme ça que moi, je pense que pour Nako Kanisasiko, pour a maîtriser, a tiaba programme Naïe en exécution, moi, je crois que c'est ça qui est né l'ambition d'être président de la République. Parce qu'à ce moment-là, à cause de la contrôle à Babilo Konyoso, et puis il pourra faire ce qu'il veut faire. Nasuka a tant tozolo bela cour constitutionnelle, c'est comme ça que je parlerai un peu na côté négatif oyo et ça là qui que non oh na monaki oh peut-être que il fallait améliorer. Alors bandeko deuxième sujet na biso oh to ko réagir na ngole lo ezali likambo a cour constitutionnelle tango et agréé disons et le kisi ba candidature ya Batou nyonso tout seni et le kisi cour constitutionnelle et le kisi tokangi miso na bambeba oza na kati ya ba candidature ya ba dossier ba candidature o baba et la kibango. C'est comme si on a dit il faut accommoder tout le monde. On n'a pas laissé tomber quelqu'un. On veut tous. C'est comme s'il y a eu un mot d'ordre quelque part. Parce que les réseaux qui sont là à accepter les candidatures qui ont violé la loi et fermé les yeux, moi je crois que là nous avions commis une grosse erreur. Qui encore pourra croire à notre justice? Parce que nous-mêmes, nous pensons que la justice, nous pouvons la faire taire d'abord. Et Toyokana. C'est comme ça. C'est ce que moi j'ai vu. Na kole ki sabatunyo soa na ngai na mona ki keno. La CENI s'est résignée. La cour constitutionnelle, mêmement. Balobate keno bisonde to saliboye. Vous devez assumer vos responsabilités. Vous devez assumer vos responsabilités, Bandeko. Bandeko, nous sommes ici dans ce pays. Nous avons vu des politiciens qui ont été bannis. Il y a ANC, parti au pouvoir aujourd'hui. Ces gens-là ont été écartés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des délits dans la carte de la justice. Je parle ici de Tony Yangeni, vous connaissez. Ceux qui sont ici en Afrique du Sud, ils ne pourront plus assumer aucune fonction étatique. Atam Mukolonsu mon côté. Et c'est ça la loi. La loi doit être téméraire pour tout le monde.
Bandeko, le fait que la Cour constitutionnelle a fermé les yeux sur des choses visibles comme ça, que Moutounyoso a monique Oezambeba. Article terre ezalaki bien interprété te. Et je crois que quelque part, nous avons failli. Tokwe ici sous justice Nabiso. Nous avons encore rétrogradé Nani Nabiso pour Nakoulobakeno. Est-ce que nous suivons la loi? Ezongi Sibiso Sima. Bande Konanga, Ezongi Sibiso Sima. Et là, moi, je suis convaincu. Personne ne pourra se dire que non. Loi et lobby, boy, laissons faire la loi. Non! La Cour constitutionnelle a se résigné à lobby na enga na lingi makambute. Il ne s'était pas assumé. Ce n'est pas tout simple. Je ne veux pas dire ici quel candidat. Boye bimbino moko. Ba candidature ni niango. O izala ki na ba kokoso. Depuis CENI. Est-ce qu'on est en train d'accommoder les gens? Est-ce qu'on est en train un peu d'accommoder le peuple congolais en se disant Tolingi na nute makambwana, Tolingi kobundate? La justice doit rester la justice, bande konangai. Ce qui toza ko respecte justice te. Moi mboka na biso etambo la malamu e kozala te. Bobangi ya mboko e kozala te. Mibeko tika laka mibeko. Et c'est comme ça que j'ai dit. La Cour constitutionnelle a raté l'opportunité de se remettre, de remettre cette confiance-là. Bandeko, ce qui poto et comme poto et comme poto, c'est parce qu'il y a eu cette lecture de la loi. Si vous allez aux États-Unis, on vous dit que Cour pénale est sali boy. Et là, quoi, sili. Mbeba et mon ami n'a mis soit battu. Défendez ce mbeba-là. Nous biso to lekisi yango kaka bongo et c'est l'âme wana nde naza komona na lobi manzambe na ngai mboka na biso to okendaka wapi. Et donc nous allons dans les élections et loko na to yebite e kosuka ndenge nini tozo ebate a na ebandeli na ebisi bino ke no kadimaza azana nani na kore akauta e kore a rassurer batu ke ba election e kozala. Allons-nous aller aux élections qui vont se terminer dans l'ambroglio? Est-ce que ba élection oyo est rassurant que non vraiment ba élection kozala faire, donc c'est-à-dire juste mutua gagner ko. Le problème qui se pose, c'est d'abord l'organisation de ces élections là. Aujourd'hui nous sommes les 10. Ba machine ezana nuté, nous ne connaissons même pas. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire-là. C'est comme ça que Nabanzi que ayant ça en tête, batou bazako commandité ba élection na balobité, ne créons pas d'abord des zizani à faisant par exemple que non muto aza décalé muto dossier na eboye, ça pourrait peut-être créer d'autres, parce que tension ezali. L'État, c'est ça qui est ezali na makasi ya ko maintenir tension wana. L'État doit s'imposer. L'État doit lire la loi. Et si nous avons un État qui se résigne, le bibi bisoto boy makambwana et le baba lo baté que non seni asali boye non. Ce qui est ali blanc, il faut que l'État dise que ça c'est blanc. C'est noir ici, c'est noir. Alors seni est raté lokwana. La CENI a raté complètement l'occasion de se faire encore cette autorité-là. La Cour constitutionnelle de même. Ainsi, l'État n'a pas failli. La loi n'a jamais été dite. C'est pour cela. Vous allez voir. Batuebele baza kolobake. Non, omoni, n'importe qui peut devenir n'importe qui au Congo. Pourquoi? Parce que la loi n'existe pas. Naboy Koloba, parce que lui, c'est un président de la République. Lui, c'est Aza vedette, moko amunene, ce qui t'a touché na batouboy. L'État Zako Banga. Bandeko, Eza Mawa.
Voilà ma réaction sur... et puis je vais conclure cette idée-là. Je crois que vous aviez compris ma position sur Naïlo Kouana. Moi, je crois que la Cour constitutionnelle et la CENI nous ont encore trahis. C'est une trahison. C'est une trahison. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde kakabo et sans même examiner. Là où nous sommes, prenez vos responsabilités. Voilà, Bandeko, si j'ai à souka auto kolobela na grand format à l'élo, Ezali, ce que notre frère Bossembe est en train d'organiser, qui, moi, selon moi, je pense que Eza ko avance démocratie na mboka na biso. C'est-à-dire quoi? Il programme à ce que, qu'il y ait des débats. C'est ce que je suis en train de dire ici, que tant sous héros, d'être ça l'émission Boye, décision assez présentée qui les journalistes et le format de ce débat contradictoire parmi les candidats présidents de la République. Quelle est son importance? Je tenais à le dire ici. Moi, je suis pour, déjà dans cette histoire-là, je suis avec Bossembe pour que Toye Baba président Nabiso, il faudrait que... Vous avez vu l'exercice que Katumbi a fait. Ça ouvre et fungoli Katumbi. Yenyoso, oba tubayo kakaete sur le sujet brillant, il a parlé. Et c'est ça que nous devons avoir comme discussion. Mais maintenant, on devrait lui poser des questions précises. Par exemple, ce qui bazui format à Kolobakeno, ba journaliste wana bakubanda kozala, par exemple, na 2 heures pour chaque candidat. 2 heures. Et ces 2 heures-là, on lui pose toutes les questions sur le plan économique, sur le plan politique, sécurité, comment il entrevoit, quel est le problème qu'il connaît du Congo et quelles sont les solutions qu'il peut proposer. Pourquoi j'ai dit ça? Nous devons connaître ces hommes-là. Batouana, il faut toyer babango. Koye babango, te que non, azam, moi, na ya tel boy, ou bien zalaki boy. Non, nous devons connaître ce qu'ils ont dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont dans la tête qui vont être comme direction ou ekosala. Aitoye bamutu oyo, aza capable ako désigner batu, oyo bako sali saye. Aujourd'hui, on se plaint que le président de la République a de mauvais collaborateurs. Est-ce que le président de la République a une vision qu'il a cristallisée en lui, qu'il veut défendre? C'est en fonction de cela que vous allez choisir les gens qui vont vous accompagner dans votre vision. Ba conseiller za batoute ke o ba ya ka komema biloko ebele na vision ya mokonzite. Et d'ailleurs, et là qu'on a linga qui m'a ajouté awa, nous sommes dans le disons structure ya mboka na biso na modèle tozo sala. Et ça, ce n'est pas au président de la République qui doit gérer le pays. Mais néanmoins, nous devons savoir, parce que tanda sezali nini lelo, tanda sezali kaka, c'est mboko eza ya mokonzi. Mon conjoint est président de la République. On ne voit pas le Premier ministre. Chose qui est contradictoire avec notre Constitution. Et là, c'est contradictoire dans la Constitution. La Constitution dit que le gérant du pays, c'est lui qui a tous ses... C'est le Premier ministre. C'est le ministre, le Premier ministre qui a le chef du gouvernement. Mais aujourd'hui, nous accompagnons pratiquement le chef de l'État. Chef de l'État ne m'a pas ça projet. Chef de l'État ne m'a pas ça Chef de l'État ne m'a pas ça. Nous ne respectons pas la loi. Bon, c'est comme ça que formule wana ya koloba, batouana ba le kana média, ba solo la, comme ici en Afrique du Sud, ba lo waka, ko grillé ba tu banani ba candidat, ba grillé bango ba tuni bango ba mituna o ya koye, pour que to ye ba eloko ni neza na kati ya mituna bango. Nous ne pouvons pas avoir des bourriques qui ne savent rien à la tête de notre tête, de notre cher pays. Nous devons avoir des hommes capables. Et ces hommes capables, les lois doivent nous les prouver. Il faut au début à Mandanae, à Takolobanini, regardez par exemple ce qui se passe au Parlement Nabiso. Parlement Nabiso, Ezali, président Ayakaka Koloba, discussion Zalakate. On ne connaît pas. Le président vient raconter ses histoires. Il peut raconter les bobards. Après investir, sali discours, chaque année, il y a discours. Il n'y a pas de discussion. Et c'est celui-là qui est le chef de notre pays. Nous n'avons aucunement...
Totuna kaye mituna te, il n'a pas de choses, de justifications à donner aux parlementaires, parce que ce n'est pas ça le régime qui va. Et donc, nous ne connaissons même pas ces gens-là. Ces gens-là ont une mythe. Bazalakana mythe, mon koboué. Or, dans la démocratie, il faut tout casser mythe, wana. Nous devons connaître ces gens-là. Ces gens-là doivent nous prouver que de quoi ils sont capables. Baouti wapi, bazo kende wapi, vision na bango zanini. Et donc, moi, je suis d'accord que cette histoire-là ait lieu. Et là, qu'on est salema. Et qu'on aide Congo tout évoluer dans la démocratie nabiso. Même à tes aucun de clopin, clopin, mais ça sera une étape à franchir. Mais maintenant, il faudrait cristalliser ça dans une loi. De façon que, lorsque un président de la République, oh, bah, tout temps, dans l'élection, il y a, tant que vous avez un candidat, vous avez un candidat. Vous avez une procédure, vous avez un candidat. Vous avez un candidat, vous avez un candidat. Vous avez un candidat. Parce qu'aujourd'hui, la chose qui se passe, c'est que, suivant quelle loi, nous avons obligé que vous avez un candidat. Parce que, aucune loi n'a jamais été déclarée. Allons-y dans l'arbitraire, parce que ceux qui ne viendront pas pourront dire que non, il n'y a aucune loi qui va m'obliger à ce que je puisse me présenter devant des journalistes pour répondre à des questions sur mon mandat ou quoi, ce que je vais faire. Il n'y a aucune loi. Mais on dit souvent que le fait précède les lois. Nous pouvons commencer déjà, si tout ce beau monde-là voudrait vraiment ce que le pays change et que dans la magistrature, que les députés qui vont venir puissent cristalliser ça maintenant en loi. Ça sera une opportunité à Kolobake. Non, on a un candidat, base à la 50. Voilà, ça sera l'opportunité de discuter sur l'élection et comment est-ce que nous allons faire ce qui est en deux tours ou bien dans tour moko pour que nous puissions avoir cette opportunité à cause de la Nabatoumi, Balé, Oto, oui, aux Avandi, Saboué, Bazako répondre, qu'on se répondre entre eux. Parce que 26 candidats aujourd'hui, ça sera quelque chose d'impossible. Voilà un peu ce que j'avais à réagir sur ce sujet-là. Il y a un débat contradictoire. Et je vis dans le réseau Batoubazo, au Kenena, tous les sens. Et beaucoup de gens se sont venus sur Contact Pro Live à Kotou Nangai. Qu'est-ce que moi j'en pense? Naba raison sous réseaux sociaux Otozali, nous en avions dit, nous avions discuté et nous, moi je pense que ce sujet-là pourra être vraiment abordé na angle moko que non, Batounion soba se sentir que non, ils ont cette devoir de redevabilité au début, avant que tope sa bango ba voix na biso. Toyeba niveau intellectuel au bazanango, comment est-ce qu'ils peuvent se défendre devant ba institution Moussoussou Alibanda sur la politique extérieure, sur la politique intérieure, comment sécurité, comment toko longola par exemple ba infiltrer na katia armée na biso. Et pour terminer, parce que je vais chuter, je vous avais promis de vous dire sur ce que Katumbi avait dit sur la sécurité. Aloba qui est à Kosilisa, dans 6 mois à Kosilisa, à guerre à l'est, en est, lui-même connaît son baguette magique. Mais ce que nous savons, que Félix n'a pas pu le faire, pourquoi? Parce qu'il n'était pas militaire d'abord. Hein? Il ne savait pas quoi, vision à Katia, il y a armée. Non, il n'en avait pas. Mais je ne sais pas si Katumbi a une vision ou bien il connaît. Il avait dit que non, il avait terminé les histoires de Mai Mai dans 3 mois, dans 4 mois. Ça, je lui en concède. C'est lui qui connaît. Bon, à Silisa qui en a Ndengenin, c'est lui qui connaît la formule magique. Mais ici, nous devrions être clairs. Bandeko, et loko o Yebani et Zwaka soutient. Nous ne devons pas être en cachant que quand j'arriverai là-bas, c'est comme ça que je vais faire. Non. C'est tout ce que je peux reprocher à Katumbi pour l'instant, en étant tout simplement général, en n'essayant pas d'expliciter. C'est comme cela que j'ai dit. Peut-être tant qu'à campagne, tant qu'à l'oba qui est moko qui a kobanda ko révéler, c'est dès lors qu'il va commencer à révéler les choses petit à petit, comment ça se verra. Mais je trouve que Katumbi, il mérite d'être président de la République de ce pays. Je ne suis pas. Après l'avoir écouté comme je l'ai suivi dans ce qu'il a dit, moi je pense que il est apte et il a cette volonté, il a cette hargne, il y a qu'à changer Mboka Oyo.
Alors, je vais vous demander une chose. Pour vous tous qui êtes arrivés jusqu'à la fin, qui m'ont suivi jusqu'à maintenant là, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Continuez à vous abonner parce que na Contact Pro Life, awa, to solo la ka sur la solution. Et notre solution que nous promouvons, nous mettons à promouvoir, awa, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Vous avez intérêt. Ya ko se souvenir. Ce qui, wanande zalaka, ou ko encourager ngai. Je peux vous dire, lorsque je vois beaucoup de gens s'abonner sur cette chaîne, et pesa angali sous moi ma kasi pona ko réfléchir pona mbo kanabiso. Ce qui au lingi to banda ko réfléchir, en tout cas, ce qu'on a abonné, abonnez-vous. Partagez aussi. Partage pourquoi? Quand vous partagez cette émission, l'idée va. Au commun, l'idée wana eza ko kota na mito abatu. Je vous donne ici l'exemple du projet de 145 territoires. Félix n'est pas venu avec ce projet-là. Mais au fur et à mesure que nous avions commencé à parler de ce projet de 145 territoires, et comment qui n'a bango, comment il faut que ça soit dans le barrière pays. Et donc, la rétrocession du pouvoir, nous en parlons et nous expliquons comment ça peut se faire. C'est pour cela que je vous demande encore une fois de plus, de s'abonner. Alors, merci donc, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.